Famille, regardons ensemble ces images. Regardons ensemble les images de ce mariage, ce beau mariage qui s'est passé il y a cela quelques jours. Je ne sais pas si c'est en Tanzanie, je ne sais pas dans quel pays. Vous allez écouter un peu leur langue là et me dire dans quel pays ça se trouve. Ce mariage, en fait, est en train de faire le boom sur les réseaux. C'est en train de faire le tour de plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué parce que vraiment, avec vous connaissez la mentalité de nos sœurs aujourd'hui. Voir une jeune dame belle, vraiment, qui accepte partager son amour avec, généralement, ces hommes, je ne sais pas s'il était, excusez-moi du thème, c'est pas que, parce que je vous connais sur le réseau, vous allez me dire que j'ai manqué du respect, j'ai insulté quelqu'un, non. Bon, on voit quand même que le monsieur est atteint de la maladie, on appelle la drépanocytose. Donc, il est drépanocytaire. Bref, bon, on voit quand même que le monsieur n'a pas toutes ses facultés. Donc, on n'est pas vraiment normal. Voilà. Donc, le mariage s'est passé à l'église. L'anga a pris l'alliance, mon frère. Donc, tu vois d'abord le marié met l'alliance qu'avait le pied sur la main de sa femme. Après, mais j'ai dit que j'ai regardé la vidéo sur au moins 10 fois. Je regarde. C'est où je décide de partager ça avec vous, les amis. Regardez vous-même l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. Ce mariage m'a touché. Regardez un peu quelques images d'abord, les gars. Regardez un peu quelques extraits. Les amis, c'est incroyable. Regardez vous-même la dame, comment elle est belle. Je ne veux pas dire que le monsieur n'est pas si beau, hein. Voilà. Donc, malgré son handicap, malgré sa maladie, son état de santé, Langa dit que j'accepte. Je me suis même posé la question que le type c'était d'abord, disons, normal, comme nous, comme ça, qui n'avait pas de problème. Et qu'il avait beaucoup de moyens avant que la maladie vienne. Après, Langa dit que même comme tu es devenu là, je t'accepte comme ça. Ou bien il est né comme ça. Bon, vous savez aussi qu'il y a des enfants qui sont nés comme ça. Il y a aussi des personnes, pas des enfants, des personnes qui sont nées avec cette maladie-là. Waouh, les amis, je vais mettre un extrait. Vous allez comprendre les mots. Comment il passe l'alliance à sa femme et vice-versa. Vous savez pourquoi je présente ce mariage ici. Je vous présente ces images ici. Nos soeurs nous manquent du respect à la maison. Malgré qu'on se bat, on monte, on se bat, merde. Malgré tous nos efforts, tu entends Ingo dire que vraiment, tu es ceci. Il y a les mots qu'il ne faut pas prononcer. Car je vous assure, quand je regarde ce mariage, il y a un message fort derrière ça. Déjà, les parents qui ont des enfants
trépanocytaires. Quoi, c'est comme ça qu'on appelle ces enfants qui ont ce genre de problème. Ne croyez pas que vous avez tout perdu. Hein. Ne négligez pas ces enfants. Hein. Voilà un monsieur qui a grandi jusqu'à se marier. Ils vont certainement faire des enfants. Que Dieu les bénisse vraiment. Que Dieu bénisse ce couple. Il faut que Dieu les donne vraiment des beaux enfants normaux. Oui, mince. C'est pas possible. Les amis, partagez cette vidéo. Partagez ça. Vraiment, cette femme mérite d'être honorée. On doit l'applaudir, on doit l'acclamer. Oui, c'est ça, la femme. Qu'on parle de la femme, on parle de ce genre de femme. Oui, qu'on dit t'accepter, l'accepter avec tous tes défauts. Oui, c'est ça la femme. Qu'on dit femme de mariage là. Oui, c'est de ça qu'on parle. Oui, oui, les amis. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Est-ce que ce mariage vous a touché comme moi? C'est comme si c'était même mon frère. Ou bien comme si c'était même ma soeur. Merde! Non. Oh, heureux ménage à vous. Siku ya kwanza nilivyomuona moyo wangu ulishtuka na uliniuma sana. Usiku wa siku hiyo sikupata usingizi. Nilikuwa nikimwaza Zawadi sana. Najisikia furaha sana. Nimefurahi sana. Ni kitu ambacho nilichokuwa sikutarajia kwa itakuwa hivi. Na nilikuwa sitegemei lakini namshukuru Mungu imekuwa na furaha nyingi sana ndani ya moyo wangu. Kweli leo nina furaha kwa kufanya mapinduzi Tanzania. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. Le Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. Le Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mixte et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter, rendez-vous chez Mana Music. Le Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe Saint-James, quartier de l'Insein.